Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo. Exceptionnellement, il n'y en a pas eu une la semaine dernière comme vous avez pu le voir. Je vous ai expliqué sur Instagram que je lisais beaucoup moins et que pour une fois en plus de 2 ans de vidéos, je n'avais pas eu d'idée en particulier de thème de vidéo. Voilà, je crois vraiment que c'est la première fois en 2 ans que je loupe une semaine. Donc je suis quand même assez fière de moi de réussir à fournir du contenu sur cette chaîne divers et varié parce qu'en fait j'ai tout le temps plein d'idées de thèmes, mais là c'est vrai que j'ai eu un peu un vide, donc j'ai préféré ne rien publier, je pense que c'est mieux. Voilà, donc cette semaine, et comme l'une d'entre vous me l'avait suggéré sur Instagram, pourquoi ne pas vous présenter mes nouveautés lecture? Sachant au début je me suis dit oui mais je n'ai pas assez de contenu parce que vous le savez, j'achète beaucoup moins de livres, j'en ai énormément encore à lire dans ma bibliothèque, bien que ça descende tout de même, je dois en être encore à peut-être 70 livres à lire ou 80, ce qui est énorme, mais ça descend progressivement, du coup j'en achète moins, ça me sert pas à grand chose d'en acheter plein alors qu'il m'en reste, et puis je lis un peu moins. Mais du coup depuis ma dernière vidéo qui était l'édition d'hiver de mes nouveautés lectures il y a 4 mois, j'en ai acheté quelques-uns ou on m'en a offert, donc let's go. Alors le premier livre, et ce n'est pas dans l'ordre, il s'agit de La langue des oiseaux de Claudie Hunsinger. Alors je ne vais pas vous en dire énormément puisque je vais vous en reparler dans mes livres lus en juin et que je vous ai fait l'article très récemment sur le blog qui sera du coup dans la barre d'infos, mais en fait j'ai adoré la couverture. Il fait partie, et je peux le dire vu que l'édition est sortie de notre édition bonus estivale avec Olivia sur The French Book Club, qui est une édition qu'on sort en fait tous les 3 mois à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, qui est une édition bonus dans laquelle on propose 5 ou 6 romans à lire au choix. Il n'y a pas de livre élu et j'aimais énormément la couverture de celle-ci, du coup je l'ai acheté, je l'ai lu en 2 heures littéralement, mais il m'a déçu. Voilà, je vais juste vous dire 2-3 mots. On va suivre Zaza, écrit Z-S-A-Z-S-A, qui habite Paris, qui est plus ou moins une romancière et qui décide de tout quitter pour s'installer dans une espèce de chalet dans le Vercors ou dans les Vosges, enfin dans un bled, pour écrire et pour on ne sait pas vraiment trop quoi faire. Et en fait, elle va correspondre avec une japonaise qu'elle a rencontrée sur eBay qui vend des vêtements de la marque Comme des Garçons, qui est un créateur japonais, et elle s'en sépare pour payer le loyer. Voilà, c'est assez original, donc c'est vraiment une correspondance entre ces deux femmes. Les questionnements un peu de notre personnage principal. Voilà. J'ai acheté, et je pense que c'est le premier en fait dans l'ordre chronologique, Une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan, qui avait été élu il y a plusieurs mois, qui était un livre feel good, je crois que c'était le thème de février si je ne me trompe pas. J'avais adoré le premier, du coup j'avais acheté le deuxième tout de suite après, j'avais dû le lire quelques semaines plus tard à peine. Du coup alors il est bien, mais et puis en plus je vous en ai déjà parlé récemment, mais j'ai bien plus préféré le premier. Là du coup on suit toujours Polly qui a emménagé dans un petit bled sur une espèce d'île en Angleterre, qui a ouvert sa boulangerie, mais elle va rencontrer des difficultés avec le nouveau propriétaire et elle va devoir partir, louer un camion et vendre son pain autrement. Voilà, c'est un peu les difficultés qu'elle rencontre, mais comme l'histoire est assez déjà installée, j'ai eu de la peine pour elle au niveau des difficultés qu'elle rencontre et tout ça, mais j'ai pas autant accroché que le premier quoi. L'autre roman, je vous en ai déjà parlé, c'est pour ça en fait généralement je préfère faire mes vidéos nouveautés lecture avant de vous parler individuellement des livres quand je les ai lus, là c'est un peu le contraire, donc bon. C'est pas grave, il s'agit de Né sous une bonne étoile de Aurélie Valogne, que ma mère m'a offert entre autres à mon anniversaire. Aurélie Valogne, comme je vous le disais dans mes livres lus, je crois que je l'ai lu en avril ou en mai, c'est une des rares auteurs populaires que j'aime, voilà, j'aime énormément ce qu'elle écrit. Alors ce n'est pas le genre de livre que je lirais tout le temps, en plus elle en écrit que un par an, enfin tu peux pas tellement en écrire plus, enfin
même si en gros elle en avait sorti 20, je n'en enchaînerai pas 3 à la suite, puisque ça reste des histoires assez simples. Voilà, moi parfois j'ai besoin de voyager aussi dans les livres, et là il se passe toujours en France, c'est une famille toujours française, avec des problèmes sociétaux propres à la France, ce qui est très très bien, mais voilà, c'est pas le genre de livre que je lirai tout le temps, pour le moins, si j'en lis un ou deux par an, ça me va très très bien. Donc, dans celui-ci, on va suivre Gustave qui entre au CP et qui a tout de suite des difficultés scolaires, alors qu'il a une grande sœur qui s'appelle Joséphine, je crois, Joséphine, qui est soi-disant surdouée, qui se la pète, qui n'en peut plus, qui est première de la classe, mais qui, pour le coup, ne va pas du tout l'aider avec ses difficultés. Il va se faire enfoncer dès le premier jour par le maître d'école. Les élèves vont se moquer de lui alors qu'il n'est pas bête du tout. C'est juste qu'il n'est pas forcément fait pour le système scolaire. Donc c'est un peu une critique de l'éducation nationale, je dirais. Et de comment on peut mettre de côté des élèves qui juste auraient besoin d'une éducation pour apprendre différente. Mais bon, enfin, effectivement, quand t'es prof ou maître ou peu importe, on peut pas, si t'as 25 enfants, faire au cas par cas. Donc c'est aussi une critique de ça, qu'il n'y a pas assez de moyens employés pour l'éducation des enfants. C'est un très beau livre, vraiment, qui donne de l'espoir, qui est émouvant. Parfois on rit, parfois c'est triste. Voilà. Récemment, j'ai également acheté Lucinda, Les 7 sœurs Maya de Lucinda Riley, qui est le premier tome d'une saga. C'était notre thème de mai, il me semble, le premier tome d'une saga. Ce n'était pas le livre qui avait été élu, puisque c'était 1Q84 de Murakami, mais comme je les ai déjà tous lus depuis des années, ce livre-ci me disait bien. Du coup, je l'ai lu, je l'ai adoré, et j'achèterai la suite, mais en fait, c'est assez récent, puisque sur les 6 sœurs qui existent, et oui, le titre est trompeur, que je vérifie, il y en a que 3 encore qui sont sorties. Donc j'achèterai les 2 autres et ce sera trop cool. Donc on suit 6 sœurs qui ont toutes été adoptées par un homme très riche qui habite en Suisse. Elles habitent toutes dans une grande propriété qui s'appelle Atlantis, vers Genève, aux abords du lac Léman. Donc il y a pire comme scenery, comme endroit. Notre aînée s'appelle Maya, voilà, ça commence dans l'ordre. Et leur père, en fait, meurt. Donc elles se réunissent toutes à Atlantis. Là, pour la première fois depuis des années, elles mènent toutes des vies très très différentes. Et en fait, avant de mourir, il leur a laissé à chacune les coordonnées géographiques relatives à leur histoire, en fait. Relatives à leurs origines, d'où elles viennent. Et Maya voit que du coup, elle est originaire de Rio de Janeiro au Brésil. Je le prononce trop mal, je suis désolée, j'ai fait italien, j'ai pas fait du portugais. Et voilà, donc trop cool, direction Rio, direction les origines de sa famille biologique et tout ça. Il y a une alternance de récits avec sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, où en fait on va en savoir plus sur son histoire. Elle faisait une partie d'une famille riche de Rio, que son père a marié plus ou moins de force, un mariage arrangé, avec un homme riche alors qu'elle ne l'aimait pas. Elle est partie en France ensuite, où elle est tombée amoureuse d'un Français. Voilà, et on va suivre du coup les deux, l'arrière-petite-fille et l'arrière-grand-mère. C'est un livre absolument génial, je vous le conseille vivement. On voyage aussi dans le temps, en plus de voyager géographiquement. C'est vraiment trop cool. Une autre fois chez Giver Joseph, il y a bien 3-4 mois, j'ai acheté Le Petit Copain de Donia Tartt. Alors, Donia Tartt, elle a écrit Le Maître des Illusions et Le Chardonneret, qui sont 2 livres absolument méga géniaux. Ils sont aussi gros que celui-ci, voire plus, donc ce sont des pavés bon courage. Mais j'avais adoré littéralement les deux, je pense que ça fait partie de mes romans préférés. Un jour, tiens, je vous ferai une vidéo sur les pavés que je vous recommande. Ils y seront, petit spoil. Du coup, Le Petit Copain, je vous avoue que j'ai à peine lu le résumé parce que j'avais tellement adoré ce qu'elle avait écrit que je me suis dit que ça ne pouvait que me plaire. Donc on suit dans une petite ville du sud des États-Unis, Cleve Dufresne, qui grandit dans l'ombre d'un frère décédé, retrouvé pendu à un arbre. Trop bien.
Donc en fait il va vivre un peu tout seul, et il va s'élever un peu tout seul de ce que je comprends, et l'été de ses 12 ans, il va tenter de trouver l'assassin et d'exercer sa vengeance. Ah, ça a l'air trop bien. Voilà, donc bah, je me le lirai, je ne sais pas quand, peut-être cet été, ça c'est un truc du style à lire l'été ça, j'ai hâte. Trois autres livres, et c'est bientôt fini, que j'ai acheté littéralement hier, c'est là que je me suis dit en fait, bah, j'ai de quoi faire cette vidéo. Alors, ce n'était pas du tout prévu, c'est en achetant le contenu de la box qu'il y a à gagner sur Facebook, pour celle que j'ai mise en jeu, que j'ai vu ça, donc rien à voir, j'étais pas venue pour ça. J'ai acheté cette trop belle édition d'un livre de Jenny Colgan. Jenny Colgan, je vous en ai parlé, c'est elle, Une saison à la petite boulangerie, donc c'est la même auteure qui a écrit Toute résistance serait futile, et en fait c'est une édition collector. Et en fait rien que pour ça je l'ai pris, voilà. Donc on va suivre Connie, mathématicienne qui arrive à Cambridge, pensant qu'on lui a confié un poste de professeur, et en fait elle se rend compte que non. Et il y a une histoire avec les services secrets, voilà, je lis en diagonale exprès pour ne pas trop vous en dire et pour ne pas trop me spoiler également, mais j'adore l'édition, elle est magnifique et elle vaut 8,90€, donc en vrai ça va, c'est à peine plus cher qu'un livre classique quoi. Et j'adore les éditions collector, ils devraient en sortir au moins une par an, trop bien. Le deuxième, et je n'avais jamais connu, vu de ma vie cet auteur, donc je suis trop contente, c'est Aki Shimazaki Tsukushi. En fait, je comprends pas. Il y a plusieurs titres. Il y a Tsukushi ou Au cœur du Yamato. Donc, on va dire que le titre, c'est Tsukushi au cœur du Yamato. Voilà. Donc, de Aki Shimazaki. Donc, je ne connaissais pas du tout cet auteur qui est japonais, comme son nom l'indique. Maintenant que je m'intéresse à la Corée, je sais différencier au moins les Japonais des Coréens. Après, les Chinois, faudra voir. Il est ultra fin, comme vous pouvez le voir. Genre, c'est une blague. C'est pas grave. 6,70€, merci Babel, c'est un peu cher, mais bon, je l'ai quand même pris, hein, je suis un petit peu une bouffonne. Il fait 100 et quelques pages, voilà, il y en avait plein d'autres, je me suis dit que ça avait l'air trop bien, j'aimais bien la couverture très sobre. On va suivre Yuko, qui ne regrette pas d'avoir accepté un mariage arrangé avec un banquier. Et on va suivre un peu sa vie et son mari attentif qui n'est pas celui qu'elle croit. Voilà, on verra, je pense que je le lirai très bientôt et très rapidement en moins de 1 heure et quelques, on chronométrera. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de découvrir un autre auteur japonais à défaut de découvrir des auteurs coréens puisqu'il y en a très peu qui sont exportés en Europe. On est très contents. Et là, et le dernier de ceux que j'ai acheté hier, c'est Deux Sœurs de Fuenkinos. Je crois que je n'avais même jamais entendu parler de ce livre aussi. Fuenkinos, je vous en parle régulièrement sur ma chaîne, mais j'adore cet auteur qui est un auteur français contemporain, qui est également réalisateur avec son frère, puisqu'il avait lui-même réalisé son propre film tiré de son livre qui était La Délicatesse. Voilà, voilà, petit cours de cinéma. Et j'adore ce qu'il écrit, c'est super frais, c'est écrit de façon toujours assez simple, mais avec des phrases mythiques, loufoques, géniales, et j'adore, voilà. Donc on va suivre Étienne qui annonce à Mathilde qu'il la quitte. L'univers de la jeune femme s'effondre, dévastée elle est recueillie par sa sœur Agathe, et c'est un huis clos familial. Voilà, j'ai trop hâte, et j'ai même à peine lu le résumé que je me suis dit « you come with me », parce que j'adore ce qu'il écrit. Et mon but c'est de tous les lire, et comme il en a écrit même pas une dizaine environ, c'est fort possible. Et les deux derniers romans que l'on m'a offert à mon anniversaire, j'ai Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski qui a donné la série The Witcher. Alors je vous avoue que j'étais un peu perplexe parce que ce n'est pas une série qui m'intéresse, je ne la regarderai pas, c'est sûr et certain. Et je pense que c'est du fantastique, ce n'est pas mon style, donc à voir si je vais aimer. Et on m'a offert également J'ai vu vivre le Japon de Michel Droit, offert par un ami qui sait que j'aime bien l'Asie, notamment le Japon, et qui parle un peu de l'histoire du Japon. Donc ça c'est cool, même si j'y suis déjà allée, j'y retournerai the quicker, the better, comme on dit dans le jargon. Donc voilà. Et bien écoutez, c'en est fini pour mes nouveautés lectures. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulée avec mes petites phrases un peu nulles, mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Ça m'avait manqué, donc voilà. J'espère que toutes ces nouveautés lectures vous auront donné des idées, des envies ou
pas. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, on est quasiment 700 les gars, ça me fait super plaisir au cœur. Donc continuez à vous abonner, on vise les 3 millions d'abonnés d'ici après-demain, je compte sur vous. Très bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve comme d'habitude sur Instagram et j'espère la semaine prochaine si j'ai une idée de vidéo. Bye !